Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 28 septembre 2022, midi 1 heure du Québec. Merci d'être là avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment très apprécié. Ça va mal. Vous avez vu avec les derniers événements qui se sont produits hier au large du Danemark. Cette histoire-là vient de prendre une autre tournure. Comment ça va se terminer? Moi, je vous l'avais dit, les renseignements américains nous l'avaient dit parce que c'est eux autres qui ont poussé vers cette crise-là, vers ce conflit-là, et c'est eux qui l'alimentent en injectant des milliards et des milliards de dollars vers l'Ukraine, par ricochet avec le Pentagone qui fournit de l'armement assez sophistiqué. Ça va être long. Ils nous l'avaient dit, ça va être long. Et vers quoi on va s'en aller et quand ça va s'arrêter? C'est un risque que ces gens-là ont pris. Mais il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Pendant ce temps-là, l'économie est en train de s'effondrer partout pour diverses raisons, dont la première, deux années de pandémie qui ont ruiné le monde, des problèmes avec les changements climatiques qui font que l'alimentation est de plus en plus difficile pour les populations du monde. S'alimenter, c'est de plus en plus difficile, mais c'est surtout de plus en plus cher. Inflation au niveau alimentaire d'à peu près 20, 25, 30%. Le prix de l'énergie va être presque inabordable pour la majeure partie des Européens qui auront des choix à faire pour se chauffer, pour se nourrir, pour s'habiller, pour se véhiculer. Aïe, 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 aïe. Le prix des maisons aux États-Unis est en train de chuter de façon historique. Le taux hypothécaire est rendu à 7 %. Les taux d'intérêt ne cessent d'augmenter, ne cesseront d'augmenter. On est dans cette mentalité, la vieille mentalité, de vouloir contrôler l'inflation avec des taux d'intérêt élevés. Et ça, ça a toujours, toujours donné lieu à des récessions économiques. On est dans une récession économique déjà. Le président de FedEx l'a admis la semaine dernière et plein d'autres acteurs sérieux du monde des affaires le disent. Et l'entêtement aussi vers l'élimination des énergies fossiles fait en sorte qu'on se dirige vers une catastrophe annoncée. Et je ne peux pas vous dire comment ça va se dessiner puis se terminer, mais wow! Il ne faut pas que tu oublies que l'élite est à l'abri de ça. L'élite politique, artistique, économique, médiatique, l'élite est à l'abri de ça. C'est pour ça que ça ne les préoccupe pas de s'en aller dans une direction, parce qu'il y a des enjeux géopolitiques cachés derrière ça. Toute cette frénésie autour de l'énergie verte, des éoliennes, des solaires, des voitures électriques. Il y a une idéologie politique derrière ça et géopolitique. Mais qui seront les victimes de ça? Ben oui, encore nous, le petit monde, la classe ouvrière, qui ne pourront pas s'en sortir. Éventuellement, tu n'auras pas le choix d'acheter une voiture électrique, même si elle n'est pas autonome, puis elle ne peut pas t'amener vraiment très loin. Elle pourra t'amener peut-être de chez toi à l'épicerie, au travail, puis revenir chez toi. Puis je pense que elle a atteint son apogée d'autonomie. On n'est pas capable de la rendre plus autonome que ça. Et là, ton mode de vie va changer totalement. Mais le problème dans tout ça, c'est que c'est une goutte d'eau dans l'océan des émissions de CO2. Tous les bateaux, tous les yachts, les jets privés, les avions, les trains, les camions, les autobus, il n'y a rien qui fonctionne à batterie, là. Puis ça ne fonctionnera pas demain matin non plus, puis dans un avenir rapproché. Puis je ne pense pas qu'en Inde, en Chine, puis dans les pays émergents, on soit capable d'aller vendre des voitures électriques quand on est encore en train de se promener à dos d'âne dans plusieurs pays, à dos de chameaux dans d'autres, parce qu'ils n'ont pas de richesse, puis ils ne sont pas rendus où on en est. Puis on utilise encore du charbon en Chine, en Inde, partout, et on utilise des voitures qui polluent énormément, de vieilles générations mécanique. Donc, tout ça, c'est une illusion. Tout ça, c'est un combat idéologique, géopolitique, et qui va ruiner
notre classe moyenne. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais il faut laisser le choix. Mais là, tu tombes dans le totalitarisme où on te laissera plus le choix. Et c'est grave. C'est très, très grave. Et ça, c'est dans plusieurs secteurs où tu n'auras plus le choix. D'ailleurs, on voit la censure prendre de plus en plus de place en Europe et en Amérique. Puis d'ailleurs, si tu n'es pas d'accord avec l'idéologie dominante, on va te traiter de tous les noms. Si tu soulèves des questions sur quelque décision que ce soit, sur quelque politique que ce soit, tu vas être identifié par la classe dirigeante comme étant sûrement un irresponsable, un raciste, un suprémaciste blanc, un nazi, probablement un néo-fasciste, parce que tu questionnes et tu te poses des questions et t'hésites à adhérer à leur idéologie politique et géopolitique. Puisque dans le fond, c'est ça. C'est la dominance de cette classe dirigeante-là qui veut imposer, via les médias, tout cet endoctrinement. Mais il y a des choses qui doivent être faites parce qu'il y a des... Il y a des éléments de notre vie qui sont pas normaux, comme le taux de pollution. Mais pour faire ça, il faut que tu t'attaques à la racine, qui est la consommation. Il faut que tu t'attaques à la racine, qui sont les grandes entreprises, les manufactures, les usines, les Amazons de ce monde. Mais il n'y a rien de ça qui se fait. La cible, c'est le petit monde, ceux qui s'opposent. Puis on l'a vu avec von den Leyen qui dit « Faites attention les Italiens, votez du bon côté, parce que si vous votez du mauvais côté, nous autres, on a des mesures, puis on a des leviers de pouvoir qui vont vous faire souffrir, comme on l'a fait avec la Hongrie, comme on l'a fait avec la Pologne. Parce que c'est une méga structure de gens non élus, de bureaucrates, de cravatologues qui veulent imposer leur contrôle sur la population. Si tu ne parles pas comme on te le dit, si tu ne t'exprimes pas comme on te le dit, si tu ne votes pas comme on te le dit, si tu ne véhicules pas comme on te le dit, si tu ne nourris pas comme on te le dit, tu vas avoir des conséquences. Et on le voit très bien. Et von den Leyen était très clair là-dessus. On va aller l'écouter. Spoken about Hungarians. The president of the European Italians not to vote for her. Watch. So, we'll see if things go in a difficult direction. I've spoken about Hungary and Poland. We have two. Hein? Si les choses vont dans la mauvaise direction, c'est-à-dire qu'ils font pas notre affaire, puis que le peuple décide autrement, habituellement c'est ça la démocratie, c'est le peuple qui décide, ben, j'en ai parlé, des Hongrois puis des Polonais, j'ai des outils pour les faire souffrir, pour les punir. Yes, if things go in the right direction, and people as a body that is always, where always governments have to be accountable to... Et les gens, puis tout cet ensemble de gens, là, hein, la nation italienne ou les autres, puis le gouvernement, vous devez être tenu responsable par nous, les idéologues, cravatologues, non élus. Je vous rappelle que Mme von den Leyen a été élue par aucun citoyen européen. Elle a été nommée à la Commission européenne, la présidente de la Commission européenne. Et c'est ces gens-là qui ont un agenda. Il faut que tu le suives à la lettre, sinon tu vas être puni. Donc, on nous dit... Comme Emmanuel Macron nous l'a rappelé, que la démocratie est en péril, chers amis. La démocratie libérale, c'est-à-dire celle qui ne fait pas notre affaire. On va aller l'écouter. Il était avec Jack Tapper de CNN. Italy has elections on Sunday, a party there founded from the country's neo-fascist movement. Hey, là, les néo-fascistes sont en train de vouloir prendre le pouvoir en Italie. Hein, une femme monoparentale qui a l'air plus d'une ménagère qu'autre chose. On la compare à nul autre que Mussolini. Et sur le point, peut-être, même si tu les écoutes, eux autres, les Jack Tapper de ce monde, là, les médias, sûrement sur le point, quand elle va être élue, d'aller envahir la Pologne. Mais c'est la population qui en a plein le dos de toutes les politiques qui a fait en sorte qu'on les a oubliés puis qu'ils se sont appauvris et qu'ils sont pris avec le quotidien, au quotidien. Ils sont pris au quotidien avec les décisions de l'élite qui, elle, n'est jamais prise au quotidien avec ces décisions-là parce qu'elle vit dans une bulle protégée. Ces gens-là vont dire « Faut bannir les armes à feu », mais ils vont être entourés de gardes du corps qui sont armés jusqu'aux dents.
Il faut que tu acceptes tout le monde, mais ils vont vivre dans des quartiers riches où il n'y a personne qui peut aller se permettre de vivre là, puis même de prendre une marche, là, parce que ces quartiers-là sont policés puis protégés par l'armée. Même chose dans les écoles, ces enfants-là de bourgeois fréquentent pas le monde ordinaire de toutes les ethnies. Puis moi, je suis d'accord avec ça, qu'on soit entouré de gens de toutes les ethnies, mais eux autres, ils disent de faire une chose, mais ils font le contraire. Mais si les choses vont pas dans leur direction à eux, oh là, c'est une menace pour la démocratie. C'est du n'importe quoi. Extremists and neo-Nazis gaining popularity in Sweden. Italy has elections on Sunday. A party there founded from the country's neo-fascist movement is leading in the polls. Right now, we've seen obviously some of these elements in France. On a vu ces éléments-là nazis chez vous aussi, hein, avec Marine Le Pen. Aux États-Unis, les trompistes. À quel point êtes-vous inquiet de voir que ça se répand partout dans le monde, ça, cette volonté du peuple de rejeter l'establishment et l'idéologie et le plan de l'establishment, dans le fond, c'est ça, hein? I think we have a big crisis of democracies. I think we have a crisis of democracy. Je pense qu'on a une crise de la démocratie, mais attendez. What I would call liberal democracies. Ce que j'appellerais la démocratie libérale. Donc, il y a deux sortes de démocratie. La démocratie médiocre, fasciste, celle où le peuple décide d'aller à l'encontre de tous ces idéologues qui veulent vous voir vivre d'une façon, mais eux vivent d'une autre. Et si vous les remettez en question et vous élisez quelqu'un d'autre, oh là, la démocratie, pas la démocratie, mais la démocratie libérale est en jeu. C'est quoi la démocratie libérale? C'est l'imposition coûte que coûte, malgré et contre le gré de la population. Ça, c'est la démocratie libérale, qui est l'équivalent du totalitarisme. Je voulais vous parler de ça, parce qu'il me semble que c'est vraiment important. Préparez-vous, ça va aller mal. Je termine avec un lien d'un abonné qui est vraiment formidable, qui m'a envoyé ça. Je pense que c'est Seb. Et c'est, ça vient du point, et on finit avec l'économie. Le monde va payer le prix de la guerre en 2023, prévient l'OCDE. On le sait, on s'en va vers la catastrophe économique. Avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, les mauvaises décisions, plus le conflit en Europe, on est dans un cul-de-sac et on va tous y passer, la classe moyenne. Partout. Donc, je vous laisserai cet article-là qui nous parle hein, d'un choc économique qui nous attend comme jamais on en a vécu avec des inflations à 10, 12, 15, 20 %, des taux d'intérêt à 10, 15 %. Préparez-vous, la misère est au coin de la rue.